Salut tout le monde, c'est Belambda et nous sommes sur Infamous Second Son pour l'épisode 11. J'espère en tout cas que les 1 heure de gameplay sur Infamous Second Son de l'épisode 9 vous aura plu. Et aujourd'hui on se retrouve directement pour la suite parce que je sais que si vous suivez, ben vous l'attendiez vu qu'on est dans un moment plutôt important. On va tout de suite grimper au haut d'un bâtiment avec le portable pour réceptionner le signal et retrouver Hank qui nous a salement trahi. Hop, je vais faire ça, j'en ai déjà de toute façon, c'est un peu bête. Alors, voyons tout de suite. Ah, je suis encore trop bas. On monte. Ah, c'est bon, je peux le faire. On est en route. Il fallait gérer votre transport à la marina. Et après, on va là-bas. Qu'est-ce que BUB vient foutre ici avec Hank ? Bonne question, Delphine. Bonne question. C'est quoi ce machin ? Ah, c'est la tour, autant pour moi. Ah zut. C'est moi où j'ai entendu un espèce de boom. C'est quoi ce bordel là-bas? Allez, écoutez. Ils sont en train d'exploser un truc. On dirait que c'est une putain de guerre. Écoutez les bruits de la pluie sur la tôle et tout là. Ça c'est le genre de truc que dans Heavy Rain, je sais pas si vous l'avez fait. Dans Heavy Rain, c'est le genre de truc que j'ai adoré. Le bruit de la pluie, c'est vraiment quelque chose de pareil dans Minecraft, j'adore ça. Alors... Oula, ça rigole pas. Ce salaud de Hank s'en sort une fois plus. Pourtant il a pas... Ouais mais je pense pas que c'est si méchant ce qu'il a fait dans le sens où... Il voulait pas faire de mal, c'était juste pour sa famille ou je sais pas quoi. Ça on a déjà. On continue. Examiner les lieux, trouver les indices, endroits où aller. Où est allé Hank? C'est quoi tout ça là? C'est tout complété? On va continuer sur les rails. Wow, c'est bon, il est... Ah non, c'est bon, le train était pas de mon côté. Oula! Ça rigolait pas ici. Hank! T'es là? Oups, j'ai pas peur de toi, Hank, tu sais! Ok. Je parie que c'est pas le porteur que vous attendiez. Hop! Oh putain, désolé, j'étais en train de mettre le chrono. Casse où c'est? Waouh, waouh, waouh! Allez! Barre-toi! Moi je suis bloqué. Ah, mais d'accord, c'était la tour. Ici! Mais attends, il y a des débris de partout, je suis bloqué. J'arrive pas à m'enfuir. Mon dieu, comment je peux faire? Hop! Il me faudrait que j'augmente un peu ça parce que je vous avoue que ça va pas faire long feu. Aïe! Et casse-toi! Allez, allez, réfléchis. Oula! Alors toi, t'auras pas pu partir. T'as pris cher. Aïe, aïe, aïe! Ça me consomme quasiment rien maintenant et c'est tant mieux. Les arbres ils sont bien beaux mais ils me gâchent un peu. Ah, loupé, loupé, arrête de. Voilà. Hop, hop, toi tu m'en mettras plus. Je pense qu'on est tranquille. Il y a encore les véhicules là-bas mais je crois qu'il n'y a plus personne. Merde, j'ai perdu Hank. Je vais devoir relocaliser le signal. Bah ouais. Repousser l'embuscade du DUP, c'était juste ça, ok. Je vais prendre ça. Il est pas là. Parfait. Je vais prendre là-bas aussi, tiens. Tant qu'à faire, on fonce, c'est pas trop loin. Non. Alors. Je prends, il est juste en dessous, il bouge pas. En dessous ou au-dessus peut-être. Non. Même... Ah, je l'entends. Il doit être pas trop loin. Ah d'accord, j'ai sauté dessus. Remarque, en monture, ça peut être plutôt pas mal. Donc, où est-ce que je vais localiser Hank? Ah oui, c'est vrai, il faut que je sois au-dessus, en hauteur. Voilà, on va juste
avant de partir, améliorer nos pouvoirs vidéo pour nous déplacer plus vite. Ça c'est quoi, dernage rapide, tir en vol non, invisibilité améliorée non, poussée aérienne double, je peux... Ah si, d'accord, bah je peux le faire deux fois, du coup ça ira plus vite aussi. Lame sanguinaire, ça aussi c'est assez pratique quand même. Drainage vidéo, tac tac, non, parce que en général quand j'y prends c'est pas gênant. Par contre drainage rapide, non, je vais plutôt économiser, garder pour le reste. Alors, pourquoi une saloperie de bioterroriste comme toi pourrait quitter cette ville vivant? Hop, voyons, est-ce que... Allez, descends. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Tenez votre promesse, ma promesse. Ta promesse, là, je voulais écouter. Réception trop faible, grimper. Oups. J'espère que... Ah, yes. Hop, c'est quand même pratique. Hein. À ce que vous avez fait malgré notre marché. Madame Augustine fait autant de marchés qu'elle veut avec des connards de bioterroristes quand elle est en sa tour. Mais on est plus de 1000 soldats ici. Et nous, bon, je sais qu'il est dans le parage. Il passe pas mal de son temps libre sur les toits. Oula, je m'attendais pas à ce qu'est tout ça. UDUP. En fait ça va, juste ça. Oups, ah, c'est bon, j'ai cru que j'ai été trop lent. Ah, ça, autant dire que l'épée fait très mal. Hein. Ensuite... Okay. Ah d'accord. Merde. Ah j'ai dit... Oups, vite. Vite. J'ai pris cher. J'y crois pas. Pourtant pas être loin. Je crois que je vais tenter un coup de tracker. Yes. Bah tiens. On dirait que j'ai pas besoin de votre protection. Donc en sortie de la ville. Ouais, bah j'ai laissé tout un parterre de cadavres de tes gars d'un bout à l'autre de la ville. Si d'autres types du DUP se pointent à la marina, et bah le parterre, il ira jusque dans la flotte. Allez, ah, la marina est trouvée, Hank. Ouais, bah juste là quoi. Ça, je vais prendre. Hop. 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 Juste péter ça. Voilà, merci. Yes. Toi, tu prends cher. Et moi aussi. Normalement, il... Ah d'accord, il est déjà mort, je crois. Fonce. Fonce. Prisonnier. Hop. J'aurais dû faire lui. Enfin, tu remarques qu'il est pas trop méchant non plus. Ça c'est fait. J'aimerais bien péter les antennes. Ça c'est bon, là faut pas que j'y pète, faut que je libère. Allez. À chaque fois je m'envoie je ne sais où là. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait, l'autre elle est là. C'est fait aussi. Les caméras. Ça serait mieux de les finir. Je sais pas vous, mais moi je ne les vois pas. Ah si, juste là. Sale voyeur. Sale voyeur. Là-bas aussi. Comme ça on est tranquille. On se fera pas chier avec le reste. Voilà. Il
Là, voilà. Ensuite, là c'est ok. C'est quand même une sacrée dictature, hein. Il s'impose pas mal dans le décor. Ensuite, juste en dessous. Et une dernière, je crois. Merci, bien joué, je sais. J'ai entendu. Une dernière, sachant qu'il y a un machin du DUP qui va nous faire chier. Là c'est pas... Enfin, avec nous. Caméra qui est juste là. Ça c'est bon. On peut continuer. La marina là-bas. Hop là, fonce. C'est vrai que ça va plutôt vite. Hein. Qu'est-ce qui... Ah, il est juste là. Tiens. Je saute sur la gueule. Allez, juste à le taper. Espèce d'enfoiré. Elle a tué Reggie. Je savais pas, je te jure. Ouais. Tu savais pas? Tu nous as trahis. Elle a dit qu'elle vous ferait pas de mal. Qu'elle voulait juste te parler. Et t'as gobé ses conneries. C'est une sadique de première, ok. Mais à ce que je sais, elle a jamais tué de porteur. Mon frère serait encore en vie, enfin, si t'avais pas fait ça. Après tout ce qu'il a subi en prison... Tenez ma fille. Ouais. C'est sa fille. Ah voilà, il l'attendait en fait. C'est moi qui l'ai avec lui cette chaîne. C'est vrai que là je suis... Mais je peux pas... Vous comprendre, il y a une fille, mais... Ah putain, j'ai... c'est chaud quand même. Enfin, je crois qu'on va faire gentil quand même, mais... Bah allez. C'est parce qu'il a une fille là que... Oh là là. De toute façon, on n'aura jamais des choix aussi durs que Eddie Ren, je pense. Ou de Bayon. Maintenant je me sens niqué. Pourquoi tu viendrais pas avec nous et disparaître? Oui, bien sûr. Il y a tous les Apaches là, les Apaches, les Indiens. Fais gaffe à toi, Hank. La Katiche ou je sais pas quoi, Katoche là. J'arrive, ma chérie. Allez à la flotte. Putain, mais chaud quoi, Reggie, il est vraiment mort ou quoi? Je suis trop gentil, hein. Alors, vidéo, qu'est-ce qu'on a de bien? Invisibilité prolongée, invocation d'un allié ailé. Ah! Ça, c'est pas mal. Démon jumeau. Ça, c'est... Ça, c'est classe. Trinité initiale. Le jeu devra être refait, je pense. Je le referai, mais en solo. Invocation d'un allié ailé. Ça, je prends parce que ça m'intéresse. Invoquer un personnage even. Ah, parfait. Donc, c'est avec L1. Clémence. Il est grand temps d'en finir, Augustine. Yes, sir. Elle va prendre cher. L'heure, citoyens de Seattle, l'heure est venue de reprendre notre ville des mains de ceux qui veulent la détruire. Les bioterroristes n'ont pas leur place dans notre vie. Nous devons absolument les enfermer loin des citoyens honnêtes et normaux pour notre bien à tous. C'est ma gueule ? C'est moi qui lutte pour leur bien à tous, contre elle et son armée de monstres ! Ouais, bah ouais. Autant dire qu'elle va prendre cher. Hein. J'arrive et je vais lui... Putain, elle a tué Reggie. C'est quand même pas rien, non? Il faut que j'aille à la tour. Ouais, c'est à la tour qu'on... là où je voulais aller. On va reprendre un peu de vidéo. On va aller un petit peu plus vite, je crois.
Du coup, on peut en prendre qu'ici alors. Je vais en profiter pour prendre ce fragment. Ah, zut. Peuple de Seattle, on vient de me signaler que ce vieux terroriste, Delphine Rowe, a commis une nouvelle atrocité. Il quoi est à l'origine d'autres carnages qui ont déjà coûté la vie à des centaines de nos fidèles gardiens du DUP et de nos concitoyens de Seattle. Ils veulent me tuer. Pas ça un carnage, vu que je sauve des innocents et qu'en plus j'épargne tes petits assassins. Ça va être un peu chaud. Alors toi mon gars, je te plains. Par où aller? Yes, là, je suis ok. Je dois tenir bon pour avoir Augustine. Désolé, ça n'existe plus. Là, c'est libéré. Zut, je croyais pouvoir passer derrière en te cassant, mais non. Vous êtes libre. Oulala, oulala, on va éviter de faire trop de mauvaises choses. Moi j'ai gagné un peu de bon karma. Check, on va aller par là-bas. Comment j'y vais? Comment est-ce que je suis? Est-ce que vous croyez que je peux y aller par l'eau? Je vois un truc. Ah d'accord. Je passe totalement à travers. J'aimerais bien essayer quand même de... Non, à mon avis, là, on pourra pas comme ça. Ouais, trop chaud. Toi, tu vas me laisser tranquille. Bim! Bim! Toi, tu m'embêtes. Ça, j'aimerais bien le faire. Ah, c'est tout de suite plus rapide comme ça avec ce pouvoir. Hop. La caméra là qui va me débriser. Check. Wow, wow. Toi mon gars, je t'ai vu. Tu restes là. Aïe, aïe. Allez. Ça fait absolument rien. Voilà. Quand même. Ah mais d'accord, les grilles elles ont rien là. Où est-ce que je vais moi? Ça aussi. Toujours ça de fait. Là je grimpe. Voilà. Ouh, si je m'en fous, j'en aurais pris dans la gueule. On se cache. Au final j'ai bien envie quand même de me faire ce machin. Oups, oula. Je sentais arriver ce coup contre moi. Ouais. Allez, putain. Où est-ce qu'ils sont là? En fait c'est chiant, je les trouve jamais. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Mais... Oula, taper à travers. Eh mais il meurt pas hein. Bon, je vais peut-être pouvoir finir ça là au moins. C'est quand même bon. Tape. Et hop. Voilà. Et bim, ça c'est fait. Nous sommes à 17 minutes, un peu plus, donc ça va.
Et ah voilà, à chaque fois c'est le même petit temps. Ça, je vais récupérer les fragments. D'ailleurs, faudrait que je le fasse plus souvent parce que ça m'en donne pas mal. Ouais, c'est pas ça que je voulais. Ça marche aussi. Du coup, je prends une néon là. Ça, je prends. Ça, je prends. Il y en a un qui passe au-dessus là, ce que je vois. Bip, bip, bip. Viens ici, tu es à moi. Allez, maintenant, Cassos. Oh, c'est chiant, ça, de pouvoir faire comme on veut. Mais... Oups. Ce coup, c'est mieux. Ah, d'accord. Autant pour moi, j'ai ce qu'il faut. Et maintenant, j'ai dit... Ah, yes. C'est carrément plus loin, en fait. C'est bon, je suis ok. Là, la musique est vraiment cool. Quand même. Brave gens de Seattle, je vous en conjure. Où est-ce qu'on est là? Je sais pas si on est déjà allé là. Oups. Je vais faire ça. Peut-être un voisin, peut-être même un parent. Delphine Ro a attaqué les hommes les plus courageux par les centaines. Des soldats du DUC qui ont donné leur vie pour sauver les vôtres. Faites en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Delphine Ro sera traînée devant la justice. J'en fais le serment. Ah, t'as rien compris, Augustine. Aïe. Les gens nous ont vu tous les deux en action. Aïe, s'il d'accord. S'il la justice, c'est pas ma tête qui va tomber. Pour moi, aïe. Bon, le transformateur doit se trouver sur le toit en face de la tour. Ah d'accord, c'est pour ça donc que j'ai si mal. Tiens, Delphine. Une fois la défense éliminée, tu peux plus revenir en arrière. C'est quoi ton plan, porteur? Tu vas la prendre vivante pour montrer à tout le monde ce qu'elle a fait? Ou tu vas la tuer pour ce qu'elle a fait à Reggie? Qu'est-ce que... Ah, c'est ici. Autant pour moi. Alors, révéler la vérité sur Augustine ou tuer Augustine. Je vais la... Ah, putain. Ah, mais de toute façon, je peux pas. Bon, bah, ma petite dame, il est temps de montrer au monde ce que tu vaux vraiment. T'inquiète pas pour ça. Ah, juste... Ah d'accord, moi je voulais y péter, il a juste coupé okay, le truc. Ok, je peux faire avec. Ça ira très bien. Du coup, il y a les fumées. Le reste est encore actif. Ah oui, d'accord, ça pas suffi. Alors... Autant dire que... Vous êtes vraiment partout, les mecs. Oups. Hop. Aïe, aïe. Oh non! J'en étais sûr là, je le sentais arriver cette mort ridicule. Vous êtes vraiment partout les mecs! Hop. Ouais, je vais prendre un truc un peu plus rapide, là, la fumée. Je vais reprendre ça. Je
Ok. Ah, c'est gênant. J'ai plein de cadavres à tenir. J'ai pensé à toi, je t'ai pris. Aïe, aïe, aïe. What? C'est classe la façon dont elle avance. Drainer, fragment. Oui. Je comprenais pas trop pourquoi. Je m'en sortais très avec bien. Plaisir. Je sais, mais tu t'en sortais pas. Alors, t'as des envies d'escalade? Tu déconnes? Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Tiens, des joujoux pour faire de la fumée. Ah. Oups. Oh merde. Oh ça va, j'aurais pu remonter en vrai. Elle est obligée de refaire son speech. Me voir ? Je m'en sortais très bien. Je sais, mais tu t'en sortais pas. Alors, t'as des envies d'escalade ? Tu déconnes ? Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Ouais, fais jouer tes fumées. Tiens, des joujoux pour faire de la fumée. Ensuite, je vais où ? T'es mort. T'es mort. Vous êtes presque mort. Oh, il a failli me faire tomber. Et c'est moi, j'ai envie de voir ce putain de pouvoir, c'est trop bien. Je pense qu'il faut que j'aille là. Attendez, attendez, que je fasse plus de conneries. Je crois, ouais, qu'il faut que j'aille là. Quoique, attendez. Je sais pas exactement s'il faut que je monte ici. Parce que là, impossible. Mais ils se sont fait chier à installer tout ça en vrai. Putain. On va essayer, hein. Je promets pas d'en réussir. Si, c'est ça. Je peux. On dirait un petit singe. Hop là. C'est bon à prendre. Ces mecs sont nazes. Hop. Allez, envoyez-moi du lourd. Hop. Ok, ok, c'est du lourd. C'est cool les combats avec elle. Ça donne des sacrifices pour moi. Aïe. Hop. Pour l'instant qu'il est immobilisé. Heureusement qu'elle fait son machin là, qu'elle l'a mis en lévitation. Je crois qu'il est mort, même pas. Oups, désolé, mon vieux. Ça va être utile ça. Parfait, merci bien mademoiselle. Grimpe, grimpe, grimpe. Ensuite, il faut que j'aille là-bas, je suppose. Et yatta. Quoi? Ça leur a rien fait? C'est quoi cet épique fail là, putain? Oups, oups. Ouh, j'ai bien peur de mourir là. Rien à fumer. Hop. Pour l'instant, toi,
Voilà. Ça c'est ok. Tu me sauves la vie. Et toi? Toi t'es bon. Allez, parfait. On va pouvoir monter. Yes. Alors, hey, Fetch, ce sera le moment de me filer un coup de main. Oh, demande et tu recevras immédiatement. Ah, c'est bon. Hein. Il est ultra puissant en vrai, Gen. Gen, tu vois, t'es vraiment un as pour remonter le score. C'est vachement pratique d'avoir des amis au placé. Je crois que toi t'es mort. Voilà, il tombe par terre. Très bien comme ça. Ça je prends les hélicos, je crois qu'il va falloir que je m'en occupe un peu aussi. De toute façon c'est fichu. Ensuite, où est-ce que je suis censé aller? Là, ça va être plutôt chaud. Où est-ce que je suis censé aller? Ah, la tête aux portes, excusez-moi. Je sais pas s'il faut que j'aille là ou pas. Allez, on y va. Oh, punaise, c'était pas là. En plus, j'aurais pu remonter, je suis sûr. Chaîne. Ça va, c'est vrai que ça, on reprend ici qu'il y a quasiment aucun temps de chargement, ça c'est cool quand même. Aïe, il faut juste que j'aille là, autant pour moi. Allez. La vengeance de mes anges sera terrible. Vas-y mollo avec les discours Eugène. J'avoue, vous êtes un peu cliché, c'est bien, il laisse, enfin il se voit quoi. Odacine, viens là, faut que tu vois ça. Que je vois quoi exactement? J'ai trouvé un nouveau tremplin. Bien, c'est bien. Ah, c'est ce que j'ai vu de plus malin aujourd'hui. Un petit peu de pouvoir vidéo. On utilise un peu tout. On va utiliser mes nouveaux outils. C'est des outils de professionnels, c'est tout. Hein. J'ai l'impression que tout le toit est blindé. Laisse-moi essayer les rayons dessus. T'es sûr que tu peux percer ça? Ouais. C'est toi, le gros geek, qui arrivait à occuper le DIP assez longtemps. Je te protégerai du danger. Ah mais... Ça avance bien, Fetch. Ne me presse pas, Delphine. J'aime pas quand on me presse. J'y suis presque. Putain, c'est un gros bordel, là. Il y a trop d'effets visuels. C'est beau, mais putain. Ça y est. Bah oui. Vas-y, Delphine. Tu rentres là-dedans et t'attrapes le geek. Eugène et moi, on s'occupe de couvrir ses arrières. Yes, je viens de s'enlever sur les parabols. Dans le domaine d'Augustine. Yes, la donzelle et moi allons couvrir. Ah, j'aurais voulu faire carré moi-même et tout. Ah, mais c'est classe. Bim. Oh non. Fin du jeu. Ah, bien, tu es là. Bien sûr, elle nous attendait avec un piège. Je t'ai testé quand tu assemblais ta panoplie de trucs. Très impressionnant. Ah ouais ? Des pouvoirs. Moi aussi, je sais ce que vous avez fait. Vous vous êtes servi de Hank pour l'accident. Vous avez fait passer Eugène et Fetch pour des monstres, tout ça pour avoir le beau rôle. Il faut bien protéger les porteurs. Les protéger ? Depuis 7 ans que mon DUP a repris la surveillance des porteurs à l'armée, il n'y a pas un seul des nôtres qui ait été tué. Comment ça ? Non, sûr que non. Vous les avez juste traqués et enfermés. Oui, à cœur Dunkey. Protéger des foules qui veulent tuer tous les porteurs. C'est bien mieux pour eux, même s'ils ne le savent pas. Ouais. Alors vous avez pris cette décision pour eux, hein? Bon choix. Ces décisions sont trop importantes. J'ai bien vu comment les gens te regardent dans la rue. Est-ce que tu sais combien il est rare qu'un sans-pouvoir veuille embrasser un porteur? Tu dois utiliser cette popularité, cette confiance, pour les convaincre que la seule et unique solution à la menace bioterroriste est mon DUP. Savais-tu que plus de la moitié des porteurs qui sont morts dans des bains de sang il y a 7 ans ont été tués par les militaires? S'ils reprennent le contrôle, qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne reviendra pas vite à ce bon vieux temps? Bon vieux temps, ouais. C'était nouveau aussi, enfin, non. Pareil.
Non, je vais faire éclater la vérité. Sur vous et vos mensonges. Et on verra qui est le vrai protecteur ici. Ce serait condamner à mort tous les porteurs. Je ne te laisserai pas faire ça. Alors essayez donc de m'en empêcher. Oula, attention. Oups, j'ai plus rien. Oups. Tu m'auras pas avec ça. Sinon, qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce que ça... je peux pas prendre? Si, je peux prendre. Attends, dire que toi... tu... aïe, 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 faut pas que je m'approche de ce machin là. J'ai que vidéo là ou... hop. Oups. J'ai récupéré un peu ici je crois. Attends. Oui, oui, oui. Oups. Oh yes. Ah, je crois que ça allait passer par-dessus. J'aimerais bien que ça change un peu quand même, c'est un peu con je trouve de... hop. Aïe, 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 t'es sûr. Facile à esquiver son machin. Je dis ça, vous allez voir que je vais réussir. Oula, par contre là, tous les effets. Je peux vous dire que là, il y a des petites baisses de framerate. Hein. Oui, oui, oui. Ah zut, j'ai loupé. Oups, j'ai plus rien. Autant pour moi. Là ça va, mais quand même, il en tire 20 000 à la seconde, là. C'est pas la même. Ah d'accord, j'ai tiré sur un de ces machins, c'est bienvenu dans ma gueule. Est-ce qu'elle met, hein? Hop. Ah zut, j'aurais trop cru que ça serait passé par-dessus. Sur elle, je veux dire. Chaud, chaud, chaud. C'est sur elle, je pouvais pas mieux faire. Oh yes, je l'ai eu. J'ai bien fait. Oh non, ça l'a évité. J'en ai plus. J'ai plus de caisse. Toi tu prends. Toi tu aussi tu prends. Oh ça l'a pas touché. Hop, bim. Alors je fasse un petit peu mon pouvoir là. Hop, coupé. Aïe, je me suis pris quand même un. Oula. C'est vrai que ça ramait un peu. Mais c'est pas bien méchant honnêtement, hein. Je chipote. Allez, prends. Je suis concentré en fait là contre elle. J'ai tellement envie de l'exploser. Tiens. Tous les anges ça passe sur toi, démon. Elle prend tellement cher. Tu veux mon pouvoir, pouvoir. Et là on va se faire avoir. Qu'est-ce qui se passe? Si tu insistes. Oh
Ancienne militaire. Il y a 7 ans, mon unité devait sauver la population d'une nouvelle menace. Les porteurs. Des gens dotés de pouvoir qui nous dépassaient tous. Voilà, c'est parce que ça vous ils dépassait que vous aviez de peur tuer. D'eux. Et bien comme vous avec vos armes. Allez, évitez de gâcher. Et de transformer certains d'entre nous en porteurs, comme eux. J'ai trouvé une autre survivante. Elle m'a suivi alors que j'essayais de regagner la protection de mon bataillon. Ensemble, nous avons sillonné une ville en proie au chaos qui voulait notre mort à cause de notre différence. Chaque jour, les lyncheurs se faisaient plus nombreux, horrifiés à l'idée que des porteurs puissent se cacher parmi eux. Nous n'avions blessé personne. Mais pour eux, nous étions des monstres. Quand les militaires ont repris le contrôle de la ville, c'est nous qu'ils ont pris pour cible. J'étais une porteuse. J'étais un soldat. Mais je ne pouvais pas être les deux. Aujourd'hui, alors, si. J'ai fait un autre choix. C'était la seule solution. En capturant le premier porteur vivant, j'ai gagné la confiance du gouvernement. Et ça, ce n'était qu'un début. Ils ont financé la création du DUP en pensant que nous n'étions que des monstres qui traquaient d'autres monstres. Mais ils avaient tort. Mon but était de sauver autant de porteurs que je pourrais. Si mes semblables devaient vivre, ce serait entre les murs de Cœur de Quai. Ouais, mais pourquoi il y a tant d'expérience sur eux et tout alors hein, c'est... Il disait au début qu'elle aimait les aiguilles, qu'elle leur faisait des machins bizarres. Ça fait 7 ans. Dans ce cas-là, elle la torturait pas. Moi, je ne laisserai personne tout gâcher. Ni le gouvernement. Ni toi. Ni l'armée. Ni toi. Tout ce que vous avez fait en 7 ans, c'est les garder enfermés. Bah voilà. Vous leur avez pris leur liberté. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ouvrirais les portes de Cœur d'Unquet, c'est ça? Tu les laisserais sortir? Bien sûr que c'est ce que je ferais. Le monde n'a pas changé ces 7 dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie. Ouais, enfin, c'est l'esclavage. Libérés, ils seront enfin, tous morts en une semaine. Alors dis-moi, qui est le sauveur? Et qui est le monstre? C'est ce que tu voulais. Tu as gagné. Nous avons tous les deux les mêmes pouvoirs. La seule différence, c'est que j'ai eu 7 ans pour m'entraîner. J'ai le pouvoir du béton là, non? Comment je... Mon dieu! Que fait-elle? Je ne peux absolument rien faire. J'ai besoin d'aide, oui, bah oui. Fuck, mec. Putain. Allez, Eugène. Qu'est-ce que je fasse là? J'ai aucun. J'espère qu'on les aura après, parce que j'ai pas eu l'impression. D'en entendre parler. Yes. Oh, il allait me le chercher, c'est pas gentil. D'autres. Oh mon dieu, vite, vite. Allez. Que puis-je faire maintenant? Oh, oh. Classe. Donc ça, je suppose que c'est rond. Je suppose qu'il faut que je vise les pattes. Aïe 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 aïe, mais je pouvais rien faire. Peut-être rond, mais... Je suis derrière toi. Je ne vois plus. Oh mais vachement dur quoi. Punaise. Ah oh, je vais jamais mort autant de fois là en si peu de temps. C'est pas mal, c'est marrant comme pouvoir. Ah
D'accord, en fait là je peux juste me barrer et essayer de me protéger comme je peux. Que fait-elle? Ça c'est un pouvoir portugais en fait. Sans être méchant. Je rigole bien sûr. Vite! Non! What? Je pensais pas qu'elle allait aussi vite. Dessine, attrape ça, machin. Oh non, quand c'est le début là, tu veux me dire? Pour l'instant, je peux absolument rien faire. Mais j'ai besoin de ces noyaux d'énergie. Ah cool, ça j'avais pas vu. En sautant en fait, ça fait le rond. Le truc à la Sonic un peu. Ah par contre c'est lent pour changer de place, d'endroit. Hop là, vous voyez, ça tourne là, comme un peu à la Sonic. Allez, come on. C'est d'aller le plus loin possible parce que ça va pas le faire sinon. Faut pas attraper ça. C'est clair que. Aïe. Bon là, enfin, je fasse gaffe. Oula, vite. Alors, montre-moi mes pouvoirs. A mon avis, ça doit faire mal. C'est encore en mitrailleuse, j'ai l'impression. Yes. Ouh, ça a l'air de faire bien mal, ça fait un peu du très lourd. Hop. Je sais pas où c'est que je peux recharger du béton, c'est bizarre quand même. Parce que j'aurais quasiment plus rien là. J'ai peur. Tout de suite. Aïe. Hop, ça va, j'ai chopé le truc là. Plus facile que ce que je pensais. Oula. Je l'ai tapé ou non? J'ai plus rien. Vite! Putain. Allez, faut que j'attrape le. Ouh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas réussi. Alors voyons voir maintenant. Yes, pour sauter et voler avec. Ça m'aidera un peu plus au niveau du déplacement. Ah, ça me fait carrément voler. Hein. Enfin, ça me fait pas mal monter en l'air. Maintenez enfoncé pour dans les airs. Ah, ça c'est cool par contre. Ça me fait pas mal monter. Ah c'est classe, j'aime bien les effets. Enfin c'est vrai que c'est assez ressemblant aux pouvoirs donc forcément. Mais on apprend assez vite au final à s'en servir. C'est quoi ce bouchon? Oups. Ouh, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais loupé. Non, en fait ça va. Il me prend sa queue. En tout cas il est classe. Le truc artistique de ce monstre est vraiment pas mal, j'aime bien. Oh, qu'est-ce
se passe-t-il? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ouais, bah c'est très bien. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais pas réussi non plus. C'est parfait. Attends, on a 48 minutes là, ça va assez vite. Ah parfait, comme ah ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez, come on. Come on. R1. Waouh, waouh, waouh. Ça a l'air de faire assez mal quand même. On se recharge comment? J'ai peur. Là, désolé pour la caméra, n'hésitez pas à vous faire vomir non plus. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte de l'utiliser en ville. On va éviter de mourir, c'est quand même pas plus mal. On va éviter de rester dessous puisque ça a l'air assez dangereux. Aïe 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 aïe. On va se calmer tout de suite. Allez, reprendre la vie, j'ai pas envie de mourir. C'était juste hein. Putain, j'ai bien failli passer. Ah, j'ai peur encore à chaque fois là. Ah, j'ai bien cru que j'allais y rester, hein, honnêtement. Aïe, comme il m'a fait son coup là de se transformer. Aïe, aïe. Sa vie elle baisse pas vite hein. Oh. Autant vous dire que j'ai peur. Oula, il a explosé. Désolé, me revoilà, j'ai dû m'absenter deux secondes. Enfin, je continue à jouer, mais j'ai pas pu. Putain, bordel. Ah, mais il a récupéré tout ça. Allez. Je vais tout lui balancer en fait, parce que. Parce que là. Oulala, 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 du calme. On va se calmer tout de suite. Je suis bien gentil. Mais en gros là. Allez, putain, il perd quasiment rien quand c'est. Ça lui fait rien du tout tout ce que je fais là. Je peux pas simplement combiner toutes les attaques là, c'est pas plus mal. Et elle est au milieu de tout ça, vous allez me dire.
se retransforme, voilà, c'est plus ou moins à chaque fois le même truc. Il s'est retourné. Aïe, aïe, ça je m'en prends tout le temps la gueule. Aïe, aïe. Alors, je passe à plus attention. Ah, j'ai failli mourir là. Là, je fasse gaffe. Là, c'est facile à éviter ça. Ça me permet de reprendre la vie et d'enchaîner. Quoi? Oh non, il y a un truc qui m'a bloqué. Où je pars là? Ah, vous avez vu où ça m'a fait partir aussi? Putain de bug. Du coup, la vidéo va durer un peu plus longtemps. Allez, je sais que ça te fait mal. Moi aussi j'ai très mal. Allez, je peux pas le faire. Punaise. Pourquoi tout à l'heure ça lui a enlevé le char de la ville? Hop. Ah mais c'est possible, ça arrive toujours à me toucher lors de ce machin. Allez, go. C'est vraiment d'optimiser mes coups que ça puisse me faire un maximum de dégâts. Là on s'écarte vite. D'ailleurs c'est peut-être pas assez rapide la sensibilité. Hop. Là il va se transformer. Voilà. Là, il va rebalancer ses missiles. Là pourquoi ça m'a pas fait? On va rester calme. Mourir. Attends, mais pourquoi ça me déplace là-bas à chaque fois? Il y a des trucs qui me font bugger. Hop. On se retourne, on attaque. Merde, merde. C'est bon. Tout va bien. Allez. Ah, il avait prévu le coup. Esquivé de justesse. Là aussi, c'était chaud. Oula, c'est passé. Tout juste au-dessus, en dessous. Allez, on continue. On chôme pas. Heureusement qu'on a le béton limité, on va dire. Ça revient au fur et à mesure. Hop, on continue. Oulala. Les trucs. Oulala, pourquoi je reste en dessous? Je risque de prendre plutôt mal sinon. Il va se transformer, non? Ok, changé de tactique. Ah merde, j'avais pas vu qu'il tirait ces machins. Oui, ça m'envoie là-bas. Je sais pas pourquoi. Aïe 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 aïe. Putain. Mais non, non, non. Yes. Là j'ai eu chaud, ça c'est facile à éviter. On en profite pour récupérer de la vie. On a que 3 trucs à chaque fois d'espèce de missile. Oh non, ça, j'aime pas. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah, à chaque fois c'est aussi je me loupe, je perds des tirs bêtement.
Là, faut que je fasse gaffe à son machin, parce que ça fait très mal. Hop, on fonce, on évite de se faire avoir comme un lot. What the fuck? Oula oula. Bon, c'est bon, là il va tirer ses machins. Je reste caché. Et j'aurais pu rester caché là-bas. Hein. Ouais, c'est peut-être même pas plus mal au final. J'ai peur de me faire avoir et de... Allez hop, on saute par-dessus tranquille, on récupère la vie et on lui tire dessus. Ah zut, j'ai peur. Il reste plus grand chose là. Allez. Non. Quoi? Non. Putain, ça c'est... Oh non. Ça c'est genre un truc chiant et inutile là. Regarde de faire peut-être plus mal. Putain, ça me saoule ce genre de truc. Heureusement que je joue pas à Dark Souls 2 parce que j'aurais pété un câble une fois. On va essayer de rester... Non, ça va pas aller. Pas de ce côté. Là-bas, ok, mais... Là, j'ai plutôt sauté, en fait, pour éviter ces missiles-là. Ce sera plus simple. Hop. On continue, allez. On va réussir. Pas de soucis à se faire. On va plutôt esquiver en sautant. Ce sera plus simple. C'est plus facile à utiliser. Hop, oh, j'ai peur qu'encore il me fasse un coup là. On va rester de ce côté. On n'arrive pas à nous avoir. C'est une merde. En plus, je peux lui tirer dessus. Voilà, c'est parfait. Juste ce que je veux. Non, non, non. Les débris sont vraiment bien faits, hein. La physique des débris est quand même pas mal. Là, ça va plutôt vite, je suis assez content, on a trouvé le truc. Vous allez me dire, je l'ai aussi trouvé tout à l'heure. Mais c'est pas pareil. J'aimerais bien ne pas mourir juste à la fin. Waouh, waouh. On va rester de ce côté. Encore à lui tirer dessus. Oula, j'aurais pas dû faire le con. Hop, on fonce de l'autre côté. Il va faire ce machin serpent. On fonce de l'autre côté. Si ça c'est pas du sacré boss quand même. De fin. Non. Wow, mais il m'a envoyé en l'air là. Certaines personnes auraient préféré, mais pas moi. Allez, là, il ne reste rien du tout. Ah. C'était éprouvant. Ah tiens, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cette position? Ouais, il paraît que ça fait mal. Une fois la poussière retombée, tout ce qui restait d'Augustine, c'était ses yeux qui émergeaient d'un bloc de béton. Ce n'était plus du tout de la fureur qu'on pouvait y lire à présent, mais plutôt de la peur. Peur, c'est pareil. On avait réussi à réduire sa forteresse en cendres, mettre son armée en déroute, stopper net tous ses plans. Le monde entier allait bientôt découvrir qu'Augustine avait lamentablement échoué. Anéanti par un gamer, une sale junkie et un pauvre délinquant. Ouais. La foule s'était embrasée quand Augustine avait été emportée.
Et avant tout ça, personne n'aurait jamais imaginé un avenir rassemblant humains et porteurs. Et j'étais celui par qui le changement allait arriver. Et pour tous ces porteurs qui avaient passé des années enfermés à Fort Duquet, inscrits dans l'histoire, ils allaient bientôt retrouver leur liberté. Ils pourraient vivre leur propre vie et choisir leur propre avenir. C'est vrai que des porteurs qui veulent faire le mal, c'est quant à moi, pas cool. J'avais bien eu ce que je cherchais. Et ça fait mal. Maintenant, il me restait à tenir ma promesse. J'espère qu'on va voir un peu de la suite là, et que c'est pas fini comme ça. Betty. Ah, yes, c'est ce que je voulais. Elsin. Tu es là? C'est parti? Ouais. Tout est parti. Une promesse est une promesse, hein? Ah. Et tous les autres? J'arrive à peine. Je voulais d'abord te voir. Tu m'as sauvé, Delsin Rowe. On est des acomiches. Acomiches. On doit s'entraider, voilà. Ouais. Où est Reggie? Oh putain. Reggie. Reggie m'a sauvé. On va faire un putain de tag. Je t'aime, frangin. Tu vas sacrément me manquer. Putain, c'est classe. Petit Nirvana. Nous voilà donc à la fin de ce Let's Play, le premier que j'ai fait, le premier sur PlayStation 4. Et peut-être un qui nous aura fait connaître. Que dire de plus au niveau du jeu? J'ai vraiment apprécié le scénario, surtout un truc que j'ai aimé qui change par rapport à certains jeux, dont Killzone par exemple, que j'ai fait récemment. Les personnages sont vraiment beaucoup plus accrocheurs. Et dans Killzone on sent que les voix, enfin, du coup les traductions françaises en tout cas, ça faisait un peu de la vieille traduction, avec des fois c'était coupé, c'était mal coupé, ça se suivait pas. Et là on sent vraiment qu'il y a un boulot au niveau de la narration et des voix, ben, comme dans un film quoi. Et je trouve que les VF de ce jeu sont peut-être une des meilleures que j'ai connues, et de qualité, qui gâche vraiment pas le plaisir du jeu. J'ai quand même mis les sous-titres par moment, vu que je parle un petit peu, j'espère que ça vous aura pas dérangé. Sinon, ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment plu déjà au niveau de ses effets. Ça rassure au niveau de la PS4, je suis un peu en dents de scie au niveau de ce que je pense de la PS4. Elle est puissante, mais à côté d'un PC, c'est vrai que c'est quand même autre chose. Et là, ce petit Infamous Second Son nous rassure un peu et nous montre que même au début de la PlayStation, on peut avoir quelque chose de beau. Alors j'attends de voir par la suite ce qu'ils vont faire en optimisant au maximum les jeux. Quand on voit un GTA V sur Xbox 360 et PS3, on peut s'attendre vraiment de très très bonnes choses sur la next gen. En tout cas, terminé ce Let's Play sur du Nirvana. Kurt Cobain, toujours ici, même mort. Et ça rend super. Un des points négatifs, je trouve, c'est vraiment la bande son. Alors, il y a quelques musiques cool qu'on a écoutées, mais c'est vraiment pas assez présent quoi. Moi j'aurais bien aimé un truc vraiment dans l'ambiance, un peu comme Skyrim, où on entend des fois juste en se baladant dans la ville des gros morceaux de musique qui arrivent. Et là c'est vrai que des gros morceaux de rock, même pendant les combats ou pendant les attaques un peu ultimes, ça aurait vraiment super bien fait quoi. Donc voilà. Si vous voulez peut-être d'autres vidéos sur ce jeu, sur des missions annexes, etc., ça sera avec plaisir.
Dernière vidéo qui aura duré 1h07, c'est un peu tard pour vous le dire, mais en tout cas n'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties, je sais que ça fait un peu long. Des conseils, je suis preneur absolument sur tout, et n'importe quel conseil que vous pouvez me donner, en bien ou en mal, ça m'améliorera et c'est pas mieux. Pour peut-être un prochain let's play, je verrai. Watch Dogs arrive, mais ça risque d'être un peu long à faire en vidéo. Donc à voir. En tout cas, oui, donc comme je l'ai dit, il y aura du Watch Dogs avec un pote. On va faire peut-être des sacrés petits trucs marrants vu qu'on peut s'infiltrer dans les parties des autres. Je pense que ça peut être plutôt cool. En tout cas, c'est la fin de ce let's play. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Une vidéo qu'on va préparer avec GST3 sur une critique d'Oculus Rift et de toutes ces technologies qui arrivent en ce moment. Un petit truc un peu personnel sur ce qu'on connaît, hein, pas pro. Et voilà. Je vous laisse sur cette belle musique et je vous dis à la prochaine. On finit l'intro de fin là, le générique on va dire. Et salut tout le monde, c'était Balanda, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était la Team SFAB. Salut.